Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est juste pour nous. Nous qui parlons encore en 2019, cette belle langue de Molière, et qui voulons tout, tout savoir si c'est possible. Et qui voulons tout comprendre. Ça, c'est plus que possible. Chers amis, on est ce fameux dimanche unique dans l'histoire de l'humanité, journée exceptionnelle et historique. 5. 5 mai. 2019, 5h44 heure du Québec historique parce que c'est le seul 5 mai jamais enregistré et qui existera jamais. Il n'y en a pas eu d'autres avant, il n'y en aura pas d'autres après, comme vous, il n'y en a pas d'autres avant que vous. Ou peut-être que oui, vous étiez déjà là, mais je n'y pense pas, j'y crois pas vraiment, <laughs> mais tout est possible et non plus après. Ou peut-être c'est possible aussi, parce que dans le fond, tout est possible. On va parler de, des extraterrestres. C'est dimanche, parler des extraterrestres ou de Dieu, peut-être que c'est de parler de la même personne, ou des mêmes individus, ou des mêmes êtres, c'est un sujet hein, qui va toujours, toujours être présent. Qu'on le veuille ou non, on ne pourra jamais éliminer ce sujet. Ce sujet euh, qui, depuis longtemps, hein, depuis longtemps, est dans l'environnement, dans les parages, comme on dit, il y a un lien qui m'est envoyé par un abonné que je remercie beaucoup, un abonné euh, du nom de Michel qui est très, très, très euh, productif, avec qui j'ai des fois des divergences d'opinion, c'est ça qui est cool. Là. Puis tout ça, c est, c est, c est, ces échanges-là sur les divergences se font dans le respect. Et il m'a envoyé un lien assez intéressant sur les ovnis, et ça ne vient pas d'un Hurluberlu ou d'un... N'illuminé. Ça nous vient de Bernard Lolin. Nolin. D'abord, on va le voir, c'est qui? Bernard Nolin, né le 22 novembre 1939 à Vannes, est un officier général français de l'armée de l'air, pilote de chasse et ancien élève de l'école de l'air de Salon-Provence. Il totalise plus de 6 000 heures de vol à son actif. Après avoir effectué sa scolarité au lycée Thiers de Marseille, Bernard Nolin passe son brevet d'études militaires supérieures. Après avoir été diplômé de l'École supérieure de guerre aérienne en 1980, il devient commandant du groupement d'instruction chargé de l'ensemble de la formation des élèves officiers de l'École de l'air de 1982-1984. Bernard Nolin est ensuite commandant du Centre d'expérience Aérienne militaire de la base aérienne 118 de Mont-Marsan à partir de 84 jusqu'en 86 année où il est nommé général de brigade aérienne donc c'est pas n'importe qui c'est pas un hurluberlu de 86 à 89 il est chef du cabinet militaire du premier ministre Jacques Chirac puis de Michel Rocard à l'issue de quoi il est nommé successivement général de division aérienne puis général de corps d'armée quand même pas, hein? Un illuminé, mais vraiment pas. Et on a un document hein, qui a été préparé par lui, les ovnis et la défense. À quoi doit-on se préparer? Du général Bernard Norland, Norlin, pardon, ancien directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale. Et j'ai reçu le PDF de ça, je vous le laisserai dans la boîte de description. Et c'est quand même assez, euh... assez complet. Hein? Des témoignages, les ovnis de la défense. Il y a l'introduction, première partie, témoignages de pilotes français. Chapitre 2, des cas euh, aéronautiques dans le monde. Chapitre 3, des cas d'observation à partir du sol. Des rencontres rapprochées en France. Chapitre 4, chapitre 5, contre exemple de phénomènes. Et lucide. Chapitre 6, organisation de la recherche en France sur tout ce, ce phénomène. Hein. Chapitre 7, méthode et résultats du euh, GEPAN, CEPRA. Les hypothèses, les essais de modélisation et enfin, c'est très très complet. Juste pour vous donner une idée, on va aller voir la préface. Puis je vous laisserai la, le lien, comme je vous dis, dans la boîte de description. Vous irez Feuilletez ça vous-même parce que je ne veux pas vous ennuyer plus longtemps que prévu, parce que c'est très long. Mais ça dit ceci. Lorsque le général Letty m'a rendu visite en mars 1995 dans mon bureau de l'IHEDN pour m'exposer son projet, je vais vous mettre ça en plein écran, donnez-moi un instant. Donc, pour m'exposer son projet de création d'un nouveau comité d'études sur les ovnis, je l'ai assuré de mon intérêt et, les, et, et adressé à la direction, je l'ai adressé à la direction de l'Association des auditeurs de l'IHEDN, qui lui a apporté son soutien, sachant que quelques 20 ans auparavant, l'AAA avait produit et publié dans son bulletin un premier rapport sur le sujet. Il n'était que de l'actualiser. Denis Letti me semblait tout désigné pour animer cette tâche. Un mois auparavant, en février, il avait organisé, dans le cadre de l'Association des anciens élèves de l'école de l'air, une conférence sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés devant un public nombreux. Certains de nos camarades, anciens pilotes, avaient exposé spontanément leur rencontre avec des ovnis. Les respons le responsable de l'étude de ces phénomènes au sein du CNES, avait ensuite présenté ses travaux et un astronome connu avait décrit une version scientifique, scientifiquement acceptable de l'hypothèse extraterrestre. Les domaines du savoir concernés par le phénomène ovni sont très divers et le général Lettier a su trouver au sein de l'AA, mais aussi à l'extérieur, les nombreuses compétences dont il a coordonné les efforts, la liste des diplômes de haut niveau, civil et militaires, des membres de son comité, est impressionnante. Officiers, ingénieurs, spécialistes des sciences physiques, des sciences de la vie et des sciences humaines ont pu aborder l'étude dans tous ses rapports. Il ne s'agit pas d'une étude purement académique. Des problèmes concrets se posent et pas seulement aux pilotes civils et militaires qui appellent une réponse en termes d'action. La composition de Cométat, le nom du comité, en a tenu compte. La quasi-totalité de ses membres ont, ou ont eu au cours de leur carrière des responsabilités importantes dans la défense, l'industrie, l'enseignement, la recherche ou diverses administrations centrales. Je formule le vœu que les recommandations de Cometa, inspirées par le bon sens, soient examinées et mises en œuvre par les autorités de notre pays. Le premier rapport de l'AA avait favorisé la création au CNES du seul service officiel civil connu au monde se consacrant à l'étude des ovnis. Puisse ce nouveau rapport, beaucoup plus approfondi, donner une impulsion nouvelle à nos efforts nationaux et à une indispensable coopération internationale, l'IHEDN aura alors bien servi la nation et peut-être l'humanité. L'accumulation la, des observations, bien documentées, faites par des témoins crédibles, oblige désormais à envisager toutes les hypothèses sur l'origine des objets volants non identifiés. Hein, Qu'on appelle les ovnis. Les ovnis, et en particulier l'hypothèse extraterrestre. Les ovnis font désormais partie de notre environnement médiatique. Les films, émissions de télé, livres, publicités, etc., traitant des ovnis le démontrent amplement. Bien qu'aucune menace caractérisée n'ait été perçue à ce jour en France, il a semblé nécessaire à d'anciens auditeurs de l'Institut des hautes études de défense nationale, la fameuse IHEDN, de faire le point sur le sujet. Associés à des experts qualifiés provenant d'horizons très variés, ils se sont regroupés dans le cadre de l'Association des auditeurs de l'IHEDN pour former un comité indépendant d'études approfondies baptisé Cométant. Président de ce comité, je voudrais remercier le général Bernard Norlin, ancien directeur de l'IHEDN, M. Michel Desmoulins, président, bah, 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 tout ça, bon, ça aurait été pas possible. Ça, sans leur collaboration, ce comité n'aurait pas pu voir le jour et ainsi de suite. Donc, c'est quand même vraiment, vraiment très intéressant. Je vais vous laisser le lien. Hein? Et... Euh, quand on regarde l'histoire, grosso modo, hein, de l'humanité, tu peux te rendre compte que, franchement, il y a sûrement eu des visites où sommes-nous, les visiteurs nous-mêmes. Je ne pense pas qu'un... un petit... Un petit moins que rien, à chaque fois qu'on a une invention, est inventé ce qui devient une grande technologie par la suite. Et même dans le passé, dans les livres bibliques, hein, on parle beaucoup de, de gens très étranges, comme dans le livre d'Enoch, que je commence à découvrir et à analyser, les pyramides, et ainsi de suite. Enfin, beaucoup de sujets qui sont tous connectés, je pense, et qui peuvent intéresser beaucoup de monde. Je vous reviens.